Je connais ça parfaitement. Ma mère la soma. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Mani sinon dar fanzu soba pour. Je le répète. Mam lebenye tame. Réjouissez-vous. Mani sinon. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La winam la fisi yini salba banger fa na guyam suya la itagasra a Jésus-Christ. Quoi est-ce que tu as dit ici? Bitars bumis fa si asida. Bumis fa si tarori. La bumis fa si zelte. La bumis fa si bepupele. La bumis fa si zemenon. La bumis fa si tarfasetson. Dieu est digne de louange. Ni bumis fa si anirzan zemenon. Soit l'objet de vos pensées. Zimiam tarasra. Alléluia. Amen. La joie. Sinon. Qu'est-ce que la joie? Sinon y a moi. C'est un sentiment de plaisir. Y a ici de sinon. De bonheur. La son wat ne haïra. Et c'est le désir de tout homme et de toute femme. La par bout de femme, bira au bout de femme, la poursuite du bonheur et de la joie. Haïra la nissino. Se retrouve dans plusieurs constitutions des nations. On recherche la joie. On recherche le plaisir. Dans un monde stressé. Dans un monde d'angoisse. Dans un monde de menace. Dans un monde de Covid-19. On ne peut même plus voir les sourires. À cause de cette maladie-là. Cependant, la parole de Dieu nous dit: réjouissez-vous. 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 Alléluia. 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 Quelqu'un pourrait dire: celui qui a écrit cela ne connaît pas les difficultés du 21e siècle. Il ne connaît pas le chômage. Il ne connaît pas les économies qui s'écroulent. Il ne connaît pas les maladies contagieuses. Il ne connaît pas les menaces terroristes. Il ne connaît pas la persécution. Cependant, celui qui a écrit cela, il n'a pas écrit assis dans son fauteuil, sirotant son thé ou son café. Il était en café. Il était en prison. Il était enchaîné. Mais il a dit aux chrétiens, aux disciples de Jésus-Christ: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous ai dit tout à l'heure, le monde recherche la joie et le bonheur dans un monde stressé. Savez-vous qui sont ceux qui sont les mieux payés dans ce monde? C'est beaucoup plus les comédiens. Les comédiens, les humoristes. Ceux qui sont les qui ont beaucoup plus d'argent. À rire, à dire des bêtises pour faire rire les gens. Mais ils gagnent beaucoup d'argent. Je suis presque convaincu. On invitait un certain Michel Gohou. Tout ça en bol, Michel Gohou, ça va. À la maison du peuple. Maison du peuple, loin. La place va manquer. J'y pense que n'est pas. Qu'est-ce qu'il dit de sérieux? Ben là, il est là. Tu sais que n'est pas. Qu'est-ce qu'il donne comme instruction? Ben vous la contenez ça là. Rien du tout. Bafouille. Mais le fait de rire. La natrosine lawa. Quelqu'un a dit que le rire même est un médicament. Ni le même y est là, même y a team. Ils vont aller rire. Et sortir rencontrer les mêmes difficultés. Les footballeurs. Le frère Zoma ne me dira pas le contraire. Ce sont les gens qui sont les mieux payés. Ils sont là pour pousser le cuir.
Bam bébé noya gande balle ban tawda. Il court derrière le ballon. Jette pour le ballon. Et les gens leur donnent beaucoup d'argent. Tu n'es pas compte de l'église soma. Je sais pas qu'est-ce qu'ils construisent en poussant le ballon, mais quand même. Bami ban tawda balle. Bon la meta la base. Les gens ont besoin de la joie. Ni ma beau de sinon. Du bonheur. Sinon. Mais là, ce bonheur-là, sinon quand il est comme un mirage. Aya wala ya libsu kosira. Hein? Kosira. Aya wa kosira. On court après. Tu jettes un pourda. On le rattrape. On le rattrape. Osanta zingwa panyata. Malheureusement, Zubokan, dans le monde chrétien, Tidbasuka, on a pensé et que devenir chrétien est un symbole d'avoir la mine serrée, et c'est d'être triste, c'est ce qui montre qu'on est sérieux. Quelqu'un est devenu chrétien. Quelqu'un qui était de nature, il était joyeux de nature. Mais depuis qu'il s'est converti, il marche les mains dans les poches. Et le visage est toujours fixé au sol. Et un de ses amis lui a demandé, quel est ton souci? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quel est ton problème? Tu as perdu ta joie. Il lui a dit, est-ce que tu ne sais pas que je suis devenu chrétien? Je suis devenu chrétien. Et c'est une pensée qui nous vient de la philosophie grecque. Qui pense, qui dit que qui était le corps est le tombeau de l'âme. Soma suma. Soma suma, ouais. Qui veut dire le corps yinga est le tombeau ya de l'âme. Sir yao. Donc il ne faut pas se réjouir man, sinon, dans ce qui est une prison. Ça, c'est la philosophie grecque. Et les stoïciens, qui c'est encore une philosophie grecque, leur enseignement, c'est qu'il faut souffrir en silence. C'est pourquoi quelqu'un, on dit que quelqu'un est stoïque. Il supporte la souffrance sans rien dire. À l'opposé de ces gens, la bamdamba nilets. Vous avez la philosophie hédoniste. Il y a hédoniste namba. Qui dit que tout ce qui vous donne plaisir, faites-le. Tu bambi etame, bumni hanour ni ami safa bima. Tu penses que gifler ton voisin te donne du plaisir, ne te retiens pas. La foi chrétienne à Christ de ma tiba est joie. Il y a sinon et bonne nouvelle. Il y a qui va nous. Le message chrétien est bonne nouvelle. Mwenam tuba kwera ya kwenu. L'évangile est bonne nouvelle. À Christ kwera ya kwenu. Jésus-Christ est né. Asi wandora. Les anges ont dit. Malheur ça y est là. Nous annonçons une bonne nouvelle. Ton toraga yamboi kwenu. Alléluia. Alléluia. La naissance même de Jésus est une bonne nouvelle. À Christ romaneng ya kwenu. Le message de Jésus est une bonne nouvelle. À Christ. C'est pourquoi nous, disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à être toujours joyeux. À nous réjouir tous les jours en Jésus-Christ. La foi chrétienne n'est pas tristesse. Il y en a qui ont commis cette erreur. Qui se sont enfermés dans des couvents, des monastères, pour vivre la foi chrétienne. Christ a vécu au milieu du monde. Il ne s'est pas retiré dans un monastère. Il marchait au milieu des méchants, au milieu des pécheurs, de tous ceux qui étaient alcooliques même, les gens de mauvaise vie. Quand il a gardé sa sainteté, la banque si tous les chrétiens vivaient dans les monastères,
tirba fasanda wel mi ale annoncer la bonne nouvelle au monde ananan tos neba wenam solum ko no ki on mal compris nem son pa uma voce ma la foi chrétienne par exemple de christou ma tiba la solitude ya fojinu yembe l'enfermement sur soi ya to vle ba kon parne ngone pore Paul nous dit Paul est à ton est en prison Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Mani sino darfa juste je le répète. Tu me l'as dit l'an passé. Réjouissez-vous. Mani sino. C'est le désir de Jésus-Christ. Ya Christ, raconte-moi là auto. Jean chapitre 15 verset 11. Jean chapitre pile nous verset pile. Je le dis. À Jésus il est là même. Je veux que votre joie soit complète. Mandat maintiam sino repizanga. Alléluia. Que votre joie soit complète. Tiam sino repizanga. Que vous vous réjouissez. Tiam kid maman sino. Soyez toujours joyeux. On y a neuf centaines sino rarfa. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. Dénum Thessaloniciens nous pila yo. Quels sont pourquoi le chrétien doit-il être heureux? Bon kiti tito man sino wakat fa. Il doit être heureux parce qu'il connaît Dieu. Atoromana sino raso miwe na manyinga. Psaume 126. Il sont quoi le fils la yo. Verset yo baytame. Le psaume 37 verset 4 nous parle de ces choses. Il sont pita la nasa me gonda bon kan yele. Si nous connaissons Dieu. Si nous connaissons sa puissance, si nous connaissons son amour, si nous connaissons sa sainteté, nous ne pouvons que nous réjouir en lui. Parce qu'il est notre secours, notre soutien. Il est notre père. Cela implique que nous connaissions sa puissance, son amour, sa protection, tout ce qu'il fait. Et cela implique également que nous gardions ses commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si nous connaissons Dieu, nous l'aimerons. Et nous garderons ses commandements. Et si nous gardons ses commandements, sa joie sera complète à nous. Sa joie s'accomplira pleinement à nous. La raison de notre joie. Esaïe chapitre 61 verset 10 nous dit. Esaïe chapitre 61 verset 10 nous dit. À cause de notre salut. Il y a ton fard de ensemble. Esaïe, tu n'attends qu'un Esaïe 61, puis tu oublies Yembre, verset 10, verset piga. Voilà ce qui est écrit. Adam Goulsé, je me réjouirai en l'Éternel. Mon pan de sinon son casabne. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Maintenant qu'il m'a ouvert ma moine, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Balabam yelra m'enfanger foutu. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Alléluia. Alléluia. Il m'a revêtu du manteau de son salut. Quand nous pensons d'où nous sommes venus, ils sont très peu parmi nous. Ils disent que depuis que je suis né, je n'ai pas commis de péché. Moi j'ai été juste. J'ai observé toutes les lois, les commandements de Dieu depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Je ne pense pas qu'ils soient assez nombreux. Je ne pense pas que ça atteint la moitié de notre assemblée. Peut-être même le tiers. Peut-être même un dixième. Peut-être qu'il y a un seul peut-être parmi nous. Et ce n'est pas moi. La peut-être quelqu'un parmi vous. Qui peut se dire devant tout le monde. Moi, je n'ai jamais péché. Moi, depuis que je suis né, j'ai observé les lois de l'Éternel. Ces commandements. Je suis comme Jésus-Christ. Jésus. Nous sommes tous pécheurs. Ton Bible nous le dit. La tous ont péché. Tous sans exception. Celui qui est né de parents chrétiens. Celui qui était alcoolique et qui est venu à Jésus-Christ. Tous ont péché. Toi qui as reçu la monnaie, entre eux, tu n'as pas remis.
Tu as reçu la monnaie en trop, tu n'as pas reversé. Voilà, boum, qui ligue de l'obé faux ban, ratir, faux, n'a pas de Seigneur, aujourd'hui, je suis béni. Tu es là, aïe, ya winam, barakrari. Tu as péché. Comme le braqueur de banque. Voilà, n'est ni un cao de banque, ramba. Comme les coupeurs de route. Voilà, c'est un dit, soyons. Nul n'est juste. N'est pas, et katiri. Mais la parole de Dieu nous dit, la winam sebra yeta tondo. Il nous a revêtus du manteau de son salut. Obiye la ga tonne bam fanga fou. Il a pris sur lui nos fautes, nos péchés, nos iniquités. Bam toka tonye lwena tonto mwe nos rébellions, nos mensonges. Tonto de ba ton ziri yaba. Nos vols, nos adultères. Ton waga de ma ton yoba. Ce que nous avons fait de mal. Wingni fan ton somana. Il a porté cela sur lui. Bam toka linda bne. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Si le renin son si nous reconnaissons et nous savons que nos péchés ont été pardonnés, que nous avons été revêtus du manteau de son salut, nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Un jour, j'étais en circulation. J'ai rencontré deux jeunes, des adolescents. Ils étaient très contents. Ils étaient très contents. Ils dansaient. J'ai voulu savoir le sujet de leur joie. Ils ont sorti un papier. Et ils ont dit, nous on était en prison. Mais voici le document qui nous libère. Nous, ils ont signé notre libération. Nous sommes très heureux parce que nous sommes libres. On apprécie la liberté quand on l'a perdue. On aime la lumière du jour quand elle n'est plus là. Quand on a perdu la liberté, tout ce qu'on veut, c'est être libre. Et nous étions comme ces jeunes adolescents. Nous étions dans la prison du péché. Dans la prison du diable. La Bible nous dit, celui qui pêche est esclave du péché. Nous étions esclaves. Nous n'avions pas de porte de sortie. Et il est venu. Il nous a revêtus de son manteau de salut. Il nous a donné notre acte de délivrance. Et il a dit, en Jésus-Christ, vous qui êtes à mon fils, il n'y a plus de condamnation pour vous. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous êtes libres. Nous avons été revêtus du manteau du salut. Vous et moi qui avons cru en Jésus-Christ. Nous sommes libres. Nous sommes sauvés. Et c'est un sujet de choix. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Parce que vous, vos péchés ont été pardonnés. Parce que vous avez été délivrés. Sujet de notre joie également, c'est le salut des autres. Luc chapitre 15 nous parle de la joie de ceux qui ont cherché et trouvé. Il est question d'abord de trois recherches. Une femme a perdu sa perle. Et la Bible nous dit qu'elle a balayé sa maison. Tous les coins et recoins pour retrouver ce qui est perdu. Elle a cherché dans le but de trouver. Je ne sais pas les autres frères. Très souvent, je pose les choses et je n'arrive pas à les retrouver. Et il y a trois choses qui créent les problèmes. Il y a la bombe temps bébé en watne. Premièrement, c'est la clé de la voiture. Pipi soba ya mobile kulumbila. C'est le porte-monnaie. La ligue de coro. Et parfois, ce sont les chaussettes. Là, sont passés. Il y a sous cette number.
Vous trouvez une chaussette et l'autre n'est pas là. Yam tun ya gwa chaussette tirito soba kabe. Voilà problème. Ye loya. Et les femmes sont expertes à retrouver ce qui est perdu. La paraba bamia boum se menam ya ba bang bedamba. Elles ont la patience de chercher. Optare sumar tun ma mingam bo. En tout cas, quand je perds mon porte-monnaie, ça ne mamie ligre ko sa menam. C'est ma femme qui m'aide à retrouver. Ya amama songor mam tum lebre yenda. Mes clés, Kulimbisa, les chaussettes, chaussettes namma. Elle a la patience de chercher. Bam ta de sou bo xam mbaw de. Et je lui ai demandé un jour, comment tu fais pour retrouver ce qui est perdu. Lam sou ko blame ngi ya. Yamma nda weni mi ya tam mi na mabba. Avant de chercher, je prie. Aye la mam ya, mam sa nam bo bum bum ding dum pousam. Seigneur, aide-moi à retrouver cela. Juste avant songom tum lebre ya. Et le jour où je pose le porte-monnaie, je l'ai oublié, même ma femme me dit, il sait qu'il n'y a pas d'argent dedans. C'est pourquoi tu ne te rappelles pas. Daninga mama min derle bona wa baudam pané mam para yeta min te ligi din kabe sokra yelle am sam pas sokra yelle et dit que certainement il n'y a pas d'argent dedans. Ayetam ti viendra ligi din kabe ko rap. Les femmes savent chercher. Parba mi bobo. Et cette femme a perdu une perle. La por kanga kin fo menem ta baudé dans le but de trouver. Ndatun le bignanda. Et quand elle a trouvé, la houa yenda wa. Qu'est-ce qu'elle a fait? Amana boy. Elle a appelé ses amis. Abola zo la ma. Elle a appelé ses voisines. Bola yarse. Voilà, j'ai retrouvé la perle. Mam kin fam le brin yenda. J'avais perdu. Mam da menum sa. Réjouissez-vous avec moi. Mani sino ne ma. Et Jésus parle du pécheur qui est perdu. Là Jésus gomme da yelo en manda sa menum yenda. Comme c'est une journée consacrée à la mission. Runda si a mission dans le yinga. Nous, est-ce que nous nous réjouissons quand un seul, une seule âme est sauvée? Est-ce que si nous cherchons l'âme perdue jusqu'à la retrouver? La deuxième parabole, il s'agit d'un berger qui a perdu une brebis parmi 100. Cela pourrait représenter les rétrogrades. Ils étaient avec le troupeau. Mais elle s'est égarée. Elle s'est éloignée. Elle est devenue la proie des hyènes, des loups et des lions. La savez, quand le mouton s'égare, elle va se mettre à bêler pour rechercher les autres. Et quand la brebis est dans la brousse, et elle bêle, elle attire l'attention de qui? Hein? Les girafes. Les prédateurs. Le loup qui l'entend. L'hyène qui l'entend. Lion qui l'entend. Se dit voilà. Je suis assis et ma nourriture arrive. Et c'est la nourriture même qui m'appelle de venir la manger. Quand on s'éloigne du troupeau, on devient la proie facile de tous ces prédateurs. On devient la proie des faux enseignements. Faut lever des faux visionnaires, des faux prophètes. Ils passent tout le temps à dire des choses qui ne sont pas bibliques. Il y a quatre femmes, pas trois autres. Oh, moi j'ai vu, Dieu m'a révélé que je suis monté au septième ciel là. Moi je suis allé en enfer là. Moi je suis allé quelque part là. J'ai vu sous les ponts. La Bible ne nous enseigne pas cela. Oui, nam, lui quand même d'où ça s'ayopoué là. Et les brebis perdues, la plus nécessairement, sont victimes de ces prédateurs. Il y a ni sam de bamba ribo. Nous devons les chercher. Nous devons les rechercher. Tombo blame. Et celui qui a retrouvé la brebis perdue. La net ni personne se mène m'tali signawa. Il se réjouit. Amane sinon. La brebis qui est perdue. Personne se mène moi. Je l'ai retrouvé. Niandalam. Troisième parabole. Il s'agit d'un fils perdu. Il était dans la maison du père. Il bénéficiait de tous les avantages du père. Fils dans la maison. Par la folie.
Il a demandé sa part d'héritage avant le temps. Père, Mbaba, je sens que tous tes dents sont toujours là. Tu marches toujours droit. Ta mort là, c'est pas pour bientôt. Alors que le temps passe, moi j'ai envie de jouir du monde. Moi je veux des pantalons yo-yo. Moi je veux quoi encore? Hein? Hein? Mobile kienga. Une grosse voiture. Mandata lo kienga. Une grosse moto. Monte kienga. Je veux voyager. Mamaraten bome. Je veux découvrir le monde. Ngimbang yenga. Je veux connaître la vie. Ndata mbanga vuima. Donne-moi ma part d'héritage. Il ne s'est pas dit, Père, donne-moi la liberté d'aller travailler pour moi-même. C'est simplement ce que tu dois me remettre à ta mort là. Moi, je veux prendre. Et là, le Père a donné. Et la Bible nous dit qu'il a tout pris. Il a traduit tout en argent sonnant et trébuchant. Il a reçu des terres. Il a reçu des troupeaux. Des bœufs. Des ânes. Des maisons. Mais ce qui importe là, c'était l'argent. Il a tout converti en argent. Il est parti dans un pays lointain. La Bible nous dit qu'il a dépensé son argent dans de mauvaises vies. Et la famille n'est arrivée. Il a été obligé de repartir chez ses parents. Mais son père l'a reçu. Et son père s'est réjoui de ce que son fils qui était perdu soit retrouvé. Qui était mort soit revenu à la vie. En cette journée de la mission, nous devons réaliser que la joie du disciple de Jésus-Christ consiste à gagner d'autres personnes. Christ, à sauver des personnes de la perdition éternelle. C'est le sujet de notre joie. Quand nous voyons des âmes être sauvées, à cela nous devons travailler. Nous devons chercher. Et l'église des assemblées de Dieu du Burkina Faso, la Burkina Faso assemblée de Dieu, je voudrais rendre honneur, hommage, l'amdatempira soutenu à mon pasteur, le pasteur Jean-Baptiste Sawadro, qui a eu cette inspiration du Saint-Esprit en amenant la vision missionnaire des assemblées de Dieu au Burkina Faso. Qui a investi toutes ses forces que le Burkina soit missionnaire. Il s'est investi. Pendant qu'il avait la force, pendant qu'il le pouvait, il s'est investi. Aujourd'hui, il ne peut plus le faire. Touché par la maladie. Mais cette œuvre amenée aux assemblées de Dieu se poursuit. La tombe dans cette loi assemblée de Dieu. Et nous aujourd'hui, nous devons travailler à améliorer. La tombe sont bédounant, tombe tournant tout ma main manquant pas. Il ne nous appartient pas de nous asseoir et critiquer. Oh, il a fait ça, c'était pas juste. Il a amené la vision. Nous devons venir les lumières que nous avons aujourd'hui pour que ça aille de l'avant. Et chacun d'entre nous doit être engagé à sauver des âmes. C'est ce que Jésus-Christ nous a commandé. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et parlez de moi. Rejetez ceux qui sont perdus. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Comment le Père a envoyé le Fils? Il est venu dépouillé de tout.
Il est venu comme un simple serviteur. Voilà, et venant au secours des pauvres, des malheureux. Allant partout annonçant la bonne nouvelle. Péril et au prix même de sa vie. Aujourd'hui encore, des missionnaires perdent leur vie dans des pays de ce monde. Il n'y a pas très longtemps, nous lisons ces informations. Dans un pays qui exécute les chrétiens. Un chrétien était en prison. Et il avait... Il y a tout un réseau dans ce pays. La des gens qui croient en Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et quand le jour de son exécution arrivait, il a dit, à qui on va remettre tes affaires? Il n'avait rien. Mais il avait une petite chose. Il a dit, remettez à un tel. Et ce monsieur l'a compris. Il m'a désigné pour le remplacer. Comme leader de l'église. Dans ce pays-là. Et l'évangile continue d'avancer. Même sur le terrain. L'église avance. La bonne nouvelle est prêchée. Il y a des gens qui risquent leur vie. Pour que d'autres soient sauvés. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous nous contentons de simplement venir au culte? De simplement battre des mains? Dire amen, chanter, et nous oublions ceux qui sont perdus. Nous oublions notre mission principale. D'aller et de faire des disciples. Aller et faire de toutes les nations des disciples. C'est notre mission. C'est la vision missionnaire des assemblées de Dieu. Assemblée de Dieu. C'est notre tâche à chacun de nous. Et ma prière. La sainte c'est que chacun de nous soit engagé dans l'annonce de la bonne nouvelle. Comme un grand évangéliste l'a dit, évangéliser, aller en mission, c'est quand un mendiant a trouvé la nourriture. Et il invite d'autres mendiants à venir manger. Pour leur montrer là où il y a la nourriture. Nous sommes des mendiants. Nous étions en quête du salut. Nous étions perdus. Il nous a revêtus du manteau de son salut. Et il nous envoie annoncer cette bonne nouvelle. C'est notre mission. D'aller. De faire de toutes les nations des disciples. Nous allons avec nos pieds. Nous allons avec nos pieds. Nous utilisons nos mains. Nos ressources. Pour soutenir la mission. Je voudrais nous exhorter. Ne pas oublier cette mission. En faire notre priorité. Aller et annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes au début du mois de juillet. Que chacun de nous fasse cet engagement. Et qui demande au Seigneur, aide-moi. Et d'ici la fin de l'année, je puisse parler de quelqu'un, à quelqu'un de Jésus-Christ. Je puisse amener quelqu'un à Jésus-Christ. Ce serait un sujet de grande joie pour moi. Tu m'as appelé à me réjouir. Aide-moi à ce que cette joie soit complète à moi également. Nous allons tenir debout et nous allons prier. Seigneur, aide-moi à me réjouir.
Thank you.